la fin de sa courte vie, Mozart accepte une commande officielle pour un opéra seria. Travaillant en parallèle sur cette Clémence de Titus et la Flûte enchantée, il parvient à redonner vie à ce genre musical un peu tombé en désuétude. Dernier mot, ou plutôt dernier feu d'un compositeur qui a toujours su dépasser les époques et les styles, cette Clémence clôt avec brio le XVIIIe siècle et ouvre paradoxalement les portes du romantisme. Après avoir envoûté les États-Unis, foulé les scènes des plus grands stand-uppers américains et conquis la télévision française avec son émission La Nuit nous appartient, Mustapha revient avec des idées plein la tête à l'Iliade. Seul en scène, l'œil vif et pétillant, ce maître de l'improvisation sait dénoncer les travers qui pourrissent la vie, toutes ces choses qui angoissent et gênent. Festivitas, c'est le bon prétexte pour réunir gastronomie, œnologie et voyage dans un seul et même salon. Voyageurs et gourmets, vous étiez 20 000 l'an dernier et cette année encore, vous allez être servis. L'Inde comme pays invité d'un côté, de l'autre dégustation de vins d'exception et restaurants éphémères.